J'ai suivi, oui, oui, j'ai pensé, j'ai dit pour vous. Mais dégagez ! Est-ce que vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous retourner, voilà. Ouais, si, si, ça va déjà. C'est mieux. Comment vous la trouvez, la statue ? Très jolie. Très jolie ? Oui. C'est bien lui. Avec son air malicieux, son air sérieux, son petit rictus, là, c'est ça m'a tendu aussi. Mais il aurait aimé avoir sa statue ? Je sais pas, non, c'était un homme relativement modeste. À mon avis, il serait foutu un peu de la trombine que lui a fait le sculpteur. J'ai souvenir d'une photographie d'André Arsicault qu'il avait vue, qu'il le représentait devant De Gaulle en 59, place de la préfecture, toute l'étendue d'émotion et d'admiration devant De Gaulle. Et il a regardé, il a dit, ouais, profil de chèvre, mâchoire de cheval. Donc voilà, il serait un peu moqué de lui. Ça lui aurait fait plaisir, mais ça l'aurait dérangé également. Parce qu'il avait été d'un naturel, enfin relativement modeste. C'était pas le genre de manifestation qu'il mettait à l'aise. Mais ça me touche beaucoup, c'est évidemment plein d'émotions pour moi. Moi je vois là un hommage d'initiative populaire. Et ça, c'est quelque chose qui convient très bien à Jean Royer, qui est un élu du peuple et qui a toujours consulté le peuple dans son action. C'est le retour de son engagement et c'est l'ultime élection, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais c'est un...